C'était une fois le roi Keïta et ses trois enfants, l'aîné Mamadi, le cadet Mambi et le Benjamin Kalido. Père, ah mes enfants. Bonjour père. Père, tu as demandé urgentement à nous voir. Mais père, qu'est-ce que tu as? Tu es souffrant? Oui mes enfants, je suis très âgé, je me sens malade ce matin. Et je pense n'avoir plus quelques jours à vivre. Non, ne dis pas ça père, tu vivras. Comme je vous aime bien, je vais vous donner en héritage 15 tonnes d'or. J'ai fait 3 parts égales. Guinée, vas-y. Trois jours plus tard, le roi mourut. Et ses trois enfants l'accompagnèrent à sa dernière demeure. Cher grand frère, il est temps pour moi de retourner dans ma petite case. Kalilou, on aurait bien aimé que tu restes avec nous pour diriger le royaume. C'est vrai, Mamadi, mais avec ma part d'héritage, je pourrais m'en sortir. À propos, que comptez-vous faire de votre trésor? Moi, j'achèterai des troupeaux. Je construirai beaucoup de cases pour ma mère et pour ma femme. Moi, j'en ferai autant et je donnerai à ma mère et à ma femme les meilleurs bijoux et j'organiserai de grandes fêtes tous les jours. Ah, je vois. Bonne chance à vous, mes grands frères, et prenez soin de vous. Mamadi, que Dieu fasse de toi un bon roi. Merci, petit frère. Tu seras toujours la bienvenue dans le royaume. Merci à vous, grand frère, et à bientôt. Un jour, les mères de Mamadi et de Mambi rendit visite à la mère de Kalilou. Bonjour Awa. Bonjour Sita et Bintou. Vous êtes toutes belles et très bien habillées aujourd'hui. Vous partez à une fête? Non, oh, ma sœur. Tout ce que tu vois sur moi, c'est mon fils Mambi qui me les a offerts. En tout cas, nos enfants s'occupent bien de nous. Mon fils m'a offert plein de bijoux. Et ton fils, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Rien. Allons-y ma copine. Père va nous contaminer avec sa misère. Fils ingrat, tu ne m'offres jamais de cadeaux. Tu n'organises jamais de fêtes. Vois un peu comment vivent tes deux frères et leur mère. Tu ne peux pas prendre exemple sur eux. Hé Dieu! Quel fils tu as eu là-haut? Le lendemain matin, Kalilou décida de partir en voyage. Après quelques heures de marche, du haut d'une colline, il aperçut un village. Et là, des enfants malmenaient un chien. Qu'avez-vous à maltraiter ce chien? Ce chien a volé la viande du fils du roi. Laissez-le partir. Pas question. Nous allons le jeter dans la rivière. Attendez. Prenez ces 3 pièces d'or et donnez-moi votre chien. Du vrai? Oui, du vrai. Kalilou continua sa route accompagné du chien. Après des heures de marche, il entrait dans un autre village. Et là, des fillettes s'apprêtaient à pendre un chat. C'est bon, tu peux le pendre. Non, arrêtez. Pourquoi pendez-vous ce chat? Laissez-le partir. Pas question, je note la loi. Laissez-le partir et je vous donnerai de l'or. De l'or? Oui, 3 pièces d'or pour vous.
et Kaloulou reprit la marche, accompagné du chien et du chat. Après des heures de marche, il aperçut à l'entrée d'un autre village un chasseur qui tenait un vautour dans sa main. Bonjour, monsieur le chasseur. Bonjour, jeune homme. Que voulez-vous faire de ce vautour? Je vais le tuer. Et pourquoi? Ce vautour dévore tous les oiseaux du roi. Vendez-le-moi. Pour combien? J'ai une pièce d'or pour vous. Non, deux pièces et tu l'as. Ok, ça marche. Merci bien, jeune homme. À bientôt. Et Kaloulou, accompagné du chien, du chat et du vautour, à qui il avait sauvé la vie, reprit sa route. Il arrivait bientôt dans un espace désert où l'on remarquait une grotte. Une grotte. N'aie pas peur, entrons. C'est ici que j'habite. J'ignorais que tu parlais, toi. Nahouet, que me vaut l'honneur de cette visite? Grand chef, je te présente l'homme qui m'a sauvé la vie. Oh, oh, quel est ton nom? Je me nomme Kaloulou. Ah, Kaloulou, nous t'exprimons toute notre gratitude pour avoir sauvé notre frère. Grand chef, il mérite une récompense. Laquelle? Il mérite l'anneau. Lilo, sous ma langue se trouve une bague magique. Prends-la, je t'en fais cadeau. Chaque fois que tu désireras quelque chose, dis-le. Ton vœu sera tout de suite exaucé. Mais surtout, ne perds jamais cet anneau. Waouh! Je te remercie beaucoup, chef des vautours. Je désirerais rentrer de suite au village. C'est ici que Kaloulou rentre chez lui. Et voilà, c'est un grand défi. Je t'ai passé où tout cet homme? Restez connectés pour la suite sur MP4+.